Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour une petite vidéo assez rapide en fait. C'est juste pour le démoulage de mes petits trucs en résine que j'ai fait avec vous. Donc vous avez dû voir la vidéo il y a un ou deux jours. Voilà. Et du coup, j'avais acheté chez Noz ces deux, moules, voilà. C'est des moules qui sont faits pour la pâtisserie, en fait. Pour eux, ils montraient comme exemple, vous savez, le sucre, la pâte à sucre, voilà, pour refaire des moulages en pâte à sucre. Moi, du coup, j'ai voulu tester. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pas bien remué, en fait. Donc, il y a des petites bulles. Voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, je me suis peut-être un petit peu emballée. J'ai peut-être pas assez... voilà. Il y en a que ça va, mais il y en a, par exemple, comme là, il y a des toutes petites bulles derrière. J'aurais pu essayer de les enlever. Mais, enfin, voilà. Et donc, j'ai fait le... ce marque-page. Alors c'est un peu peut-être que c'est pas encore assez dur, voilà, ça bouge encore un petit peu, voilà. Alors est-ce que je suis contente? Alors j'ai du noir, une feuille noire, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir sur la, si on voit bien, regardez, ça fait plein de, je pense que j'ai pas assez touillé peut-être. Hop là, non, on voit peut-être pas bien. Ouais, non, je vois pas trop comment mieux vous le montrer. En fait, ça fait comme s'il y avait plein de petites bulles. Voilà, c'est pas quelque chose de translucide. Voilà, on voit, voilà, ça fait comme s'il y avait plein de petites bulles. Peut-être que c'est le mélange qui est pas assez bien fait. Voilà, je saurai pour la prochaine fois. Par contre, on voit bien les petites fleurs, ça c'est sûr. Est-ce que j'ai quelque chose de blanc par là? Hop. Parce que peut-être que sur du blanc, je sais pas, ça va peut-être décevoir. Regarde, les petites fleurs, on les voit bien. Voilà, c'est du gypsophile séché. Voilà, par contre, bah, c'est dommage, ces petites... ouais, ces petites bulles. Et je vous dis, il n'est pas... Vous voyez, il bouge encore. Pourtant, je l'ai fait hier. Hier, en fait, il y a 24 heures. Mais ça ne suffit pas, apparemment. Donc, je vais le laisser encore dans le moule, comme ça, là. Mais bon, j'ai pas... C'est pas... je pense que j'ai pas assez touillé. Voilà, je pense que c'est ça, le problème. Pourquoi mon moule, il est... voilà. Je pense que c'est ça, pas assez touillé. Ensuite, j'ai fait cela. Alors, du coup, on va voir le résultat. Hein. Alors, je vais garder la... Waouh, ça fait trop joli. Alors, le petit médaillon avec la petite princesse, trop mignon. Le petit médaillon avec le petit prince, trop mignon. Là, c'est le papillon. Là, c'est une petite fleur. La chaussure. Là, le petit carrosse. Le petit dragon. Là, on dirait qu'il manque un petit bout. Oh, voilà, le petit dragon. Ça, c'était le petit cœur. Et là, c'est le hocher. Voilà. Voilà, c'est pas grand-chose. C'est juste un petit truc qui n'avait pas assez. Hop, ça c'est à la poubelle. Je vais tout démouler, je vais vous le montrer après. Là, c'était le deuxième. Alors, celui-là, je l'avais pour 1,99€. Et c'est du c'est marqué. Ah, c'est marqué scrap, hein, j'avais pas vu. C'est marqué scrap cooking. Voilà, scrap cooking, c'est marqué. Et celui-là, c'est pas marqué la même chose. Celui-là, c'est marqué. Hop. Je vais démouler la petite fleur. Ouh, il y avait une bulle. Oh, il manque un bout. La grenouille. Le nuage.
Oh, le petit ange. Oh, si, ça fait joli quand même. Et là, l'étoile. L'étoile filante, ouais. Et donc là, c'était marqué. C'est de la marque Franc. J'arrive à lire. Framboiselle. C'est framboiselle. Mais franchement, j'aime bien. Alors là, c'est sur du blanc. Ça ne va pas aller. Je vais essayer sur une couleur pour que vous voyez. En espérant que je vais pouvoir bien vous montrer. Regardez le prince et la princesse. Est-ce que vous arrivez à bien voir? C'est dommage parce que... Hop, il est tombé là. Ensuite, vous avez le petit ange. Regardez. Petit ange, si là on la voit quand même. Voilà. Là. La grenouille. J'arrive pas à vous montrer tous les petits détails. La grenouille. Alors, là, le petit dragon. Hop. J'ai de la pâte... comment dire ça? De la pâte à séchage rapide. Ou je sais pas, je sais plus trop comment dire ça. La pâte à modeler, je vais, c'est pas de la pâte à modeler. Hop là, le petit hochet. C'est dommage, on voit pas bien parce que, voyez, là, comme ça, là, autour, ici, là, il y a des petits points. Et ces petits points, en fait, eh ben, ils ressortent et ils brillent. Mais là, je sais pas. Est-ce que si je mets plus comme ça dans ma main. Ah non, on dirait pas. Ça fait pas plus. Et là, hop, le petit nuage, la fleur, le papillon. Ouais, c'est pas... Oh, c'est dommage. Toujours pareil. De toute façon, je vais zoomer après dessus, comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, le petit cœur. Mais là, le médaillon avec le prince et la princesse, c'est trop mignon. La chaussure, hop, je vais, attention, les yeux, je vais zoomer. Hop, là, ça bouge, je suis désolée. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop là, le petit. Oh, je pense quand même que vous arrivez à voir. Voilà, les petits médaillons. Voilà. Du coup, écoutez, je suis quand même assez contente. Voilà. Après, j'avais fait juste pour tester. Donc, j'ai pas vraiment, pris le temps de... Voilà. Mais franchement, les petits médaillons avec le prince et la princesse, ça fait trop joli. En plus, ils ont dans le cadre ovale... Il y a plein de petits points, des petits points. Et ces petits points, en fait, ils ressortent et ça brille un petit peu. C'est comme si j'avais mis un peu de brillant. C'est rigolo, d'ailleurs, que ça fasse ça. Mais c'est vraiment joli. Hein. Voilà, chaussure, bon, le petit l'escarpin, bon, ça peut... Ça, le cœur, c'est sympa. La petite fleur, le papillon... disons, les médaillons, je pense qu'on peut les utiliser même dans une carte. Voilà, la grenouille, pourquoi pas. Le petit ange aussi, il est beau comme tout. C'est pareil, il a plein de petits points et ces petits points, ils brillent. C'est très joli. C'est pas trop épais. Voilà, c'est pas trop épais. Donc, je pense qu'on peut utiliser quand même dans des albums ou dans des choses comme ça. Voilà. Alors, il y a des petites bulles derrière, mais en fait, on ne les voit pas devant. J'avais peur, vous voyez. Là, ça fait, j'aurais dû essayer encore de... Il y en a, ils chauffent.
Enfin, voilà. Mais sur le devant, on ne les voit pas, donc ça ne me dérange pas. Voilà. Le moins réussi, en fait, c'est vraiment le marque-page. Voilà, le marque-page. Et en plus, je trouve que c'est assez... peut-être que ça n'a pas assez séché. Par rapport au reste, je trouve qu'il est, il bouge un peu. Et voilà, ça ne fait pas... on voit plein de petits, de petites bulles, des dizaines de petites bulles hein, dedans. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très, très dommage. Mais bon, voilà. Bah écoutez, bah voilà, hein, je voulais juste vous montrer le résultat, enfin ce que ça donnait avec ces petites moules-là. Donc, si vous allez chez Nose et que vous les voyez, si vous avez envie d'essayer avec la résine, et ben ça marche bien. Voilà, c'était surtout ça hein, que je voulais vous montrer pour dire que ça marche très très bien. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. J'espère que mon petit test vous a plu. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Bisous, bisous.